Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour donc la suite de Transport Fever 2 en Suisse-Autriche. Austro-Suisse. Bah, on s'en fout, bref. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait quand même intéressant d'essayer de faire des lignes d'approvisionnement de marchandises supplémentaires, notamment en Suisse. Et j'ai peut-être un choix intéressant. Je pourrais complètement alimenter Lucerne, vu que les outils, on les a déjà là, du côté de Wells, et le chemin est plutôt court. Mais les briques ne sont pas loin non plus. Alors, la pierre, il y avait là, mais c'est trop loin. Je peux prendre ici. Ça fait la boucle, et ensuite j'amène les briques directement à Lucerne. Mais je vous avoue que j'hésite un peu. En fait, je ne sais pas trop. Alors, je sais que je peux faire des briques à Zurich aussi. Ça, par camion. C'est tout simple, c'est tout con. Je peux faire un emprunt assez conséquent, donc ça, ça va. On va accélérer. Ou alors, je pourrais être un grand malade. Il y a des petits coups de lag, c'est énorme. Je pourrais être un grand malade et faire des briques là pour les amener à Zurich par train. Mais je... Non. Ouais, non. Vu le prix que ça va me coûter, j'ai des doutes. J'ai des doutes quant à la rentabilité. Alors, première chose qu'on va faire quand même, c'est encore améliorer cette ligne d'approvisionnement-ci. Encore que... Encore que... Vous voyez, j'hésite. J'hésite pour des raisons idiotes. Alors, les planches, ça va. Les outils, ça va. Bon, voyons en fait déjà toutes les lignes. Ça donne quoi? Il y a juste cette ligne-ci qui est un peu light. Hmm. Les trams de Vienne, ça commence à rentabiliser. Et de ce côté-ci, alors, je peux faire des machines, de l'acier. J'ai l'acier qui est là, j'ai ça ici. Oh la vache. Il y a moyen de faire un gros réseau, mais ça va être compliqué. Et sinon, je peux essayer de faire du carburant pour amener à Baden. Et ici, c'est direct, c'est carrément une ligne droite. Bon, on va commencer par une chose. Alimenter Zurich. Et pour ça, on va y aller en camion. On va mettre ce truc-ci ici. Une seule plateforme. Voilà, la crocodile vient d'être débloquée, donc je vais quand même laisser en vitesse normale un petit peu. On met ça comme ça. Et les briques on va alimenter ici. Pierre Zurich. Et ici. Brique Zurich. Voilà. Ah. Ouais, je nettoie le clavier. Il y a un peu trop de crasse. Alors. Vu les distances pour la pierre. On va en prendre 4 comme ceci pour commencer. La distance ça va, et pour les briques on va en mettre 8. Voilà, ça devrait aller. Alors maintenant qu'on a accès
à la crocodile, qui est un excellent véhicule pour ce qui est tracté. Bah allez, on va faire la brique de Lucerne. On va essayer de faire en sorte que Lucerne donc s'agrandisse et devienne quand même plus intéressante. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait j'aimerais pouvoir mettre autre chose. Enfin, faire un trajet plus long avec la croco. À la limite, est-ce que je peux pas faire un truc avec du bois? Y a pas de scierie dans le... Vous êtes sérieux? La première scierie, c'est vraiment celle-là? Moi, je pourrais alimenter avec un autre, hein, mais... Est-ce que ce serait vraiment intéressant? Attendez. Admettons que je le fasse passer par ici. Comme ceci. Je la fais arriver ici. Donc il faudrait que je change par contre du coup la configuration. Ce qui me ferait des planches en plus. Ce qui fait que je peux améliorer du coup le rendement ici. Ah. On va voir les dénivelés par contre l'altitude. Donc 202 mètres. On continue sur cette ligne-ci. Et on peut doucement descendre par là. Oui, ça me semble bien. Cependant, il va falloir que je change ça ici. Alors les quais d'altitude, la hauteur des quais comme ça, on fera quand on refera les... Quand on refera les lignes, la partie, ouais, c'est plus les mêmes quais du coup. Est-ce que je peux casser ça sans problème? Normalement, oui. Jackpot. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. Faudra seulement que je fasse attention parce qu'au niveau des finances, ça va douiller. Ça va clairement douiller. Donc on va voir comment on peut faire déjà. Combien ça va coûter sans faire. Ah oui, c'est vrai, on a accès au nouveau en plus. On va prendre celle-ci au cas où je voudrais encore agrandir par après. On va la mettre comme ceci. Il faut rue, on va prendre ça. Voilà. Et je suis complètement idiot, j'oublie chaque fois que je peux pencher les gares si je veux. Je peux faire un dénivelé. Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre ligne à 140. Ce sera bon. Et on a besoin de ceci. Voilà. Alors, on va essayer de faire passer ici. L'altitude est environ 200 et des mètres, c'est bon. Ah ouais, rien que le tunnel va me coûter la peau des fesses. Ça va être très compliqué. Où est-ce que le tunnel coûterait le moins cher? Ici, je dirais. Bon, on va y aller franco, hein. Ah, 20 millions et ça va pas arrêter d'augmenter, donc c'est pas un problème. Il y a un tunnel, ça m'intéresse pas. Voilà, merci.
rêver, ça allait quand même coûter un petit peu. C'est que là j'ai une ligne, j'ai une courbe descendante assez douce, ça c'est cool. J'aimerais bien la continuer, voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un pont comme ça? En pause quand même, juste le temps de faire toutes les dépenses pour être sûr. Oh la vache. Est-ce qu'il y a vraiment des ponts aussi mabous quand... qui est IRL, parce que là j'ai l'impression d'un petit peu abusé. Forcément, ça compte, ça comptera pour une ligne droite, donc il va falloir que je compense en quantité. Est-ce qu'il y a moyen que j'accède jusque là? Ah non, merde. Ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, et à mon avis c'est parce que j'ai pris trop doux au démarrage. On va reprendre d'ici. D'ici. Oh la vache. Alors, si on reprend d'ici. Comme ça. Bon, ce sera pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors ça, je peux le dégager. On va prendre ceci. Voilà, on le met comme ça. Créer la ligne. Je sais pas ce que ça va donner. C'est de nouveau un gros pari que je fais là. Cette ligne-ci, ce sera bois lucerne. Voilà. Et il me faut juste un véhicule. On va prendre la crocodile. Quand même 6 millions, donc voilà, et on va prendre ça. Je vais pas aller plus loin que ça. Oh, dites-moi que j'ai assez pour électrifier.
Oh la vache. Ça a intérêt à être rentable parce que là, ce que je fais, c'est vraiment une prise de risque à la con. Je peux prendre que 48 de bois, c'est trop léger. Surtout pour le temps de trajet qu'il va y avoir. Non mais c'est complètement con. J'aurais vraiment dû, j'aurais pas dû être doux trop longtemps, j'aurais dû commencer à virer plus sec avant, parce que là, c'est quoi ce viaduc de merde? Enfin, je sais pas, hein, c'est mon avis, hein, peut-être que vous, ça vous plaira, j'en sais rien. Je ne le saurais pas tout de suite. Alors, tu fais pas plus de bois que ça, toi. Alors, 15 minutes le trajet. Nouveau véhicule. Il va y avoir un assouplissement. Ça va être... Oh non, ça reste à 15 000. Bon, bref. Là, va falloir que j'attende de ravoir, du coup, de l'argent. Et commencer tout doucement à faire des améliorations par rapport au lit. Je pense notamment à celle-ci. Planches, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il y a là. Mais bon, avec ce que celui-ci amène, ça devrait le faire. Alors, allez, dis-moi que t'es rentable. Ah, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Aïe. Faut que j'augmente la demande, en fait. Voyons un peu. C'est vrai qu'avoir deux usines comme ça qui tournent de toute façon à plein régime, c'est un peu con. Alors, il va me falloir un train supplémentaire en fait. Où qu'il est? Où qu'il est le train-train? Il va falloir que je le double. Ou que je le duplique dès que je peux. On est à 10 ou 20 minutes là. On va être à 20. Allez, vendez-moi du rêve. Élevé. On a accès au BBO 113-18 et 113-01. Là, je peux emprunter que 500 000. Là. Voilà, ça, je peux pas le doubler, faut pas rêver. La loco elle seule, de toute façon, elle coûte combien? Ça me convient, c'est une... KKSTB 472... Elle existe même plus. Elle existe même plus. Je vais être obligé de prendre une autre loco.
Ah, la SB 106, ça fait bien. Leurs marchandises. Là, et en vapeur. Celle-ci, c'est 60 à l'heure, c'est pour ça que je suis pas fan. Donc à la place, celle-ci qui a un gros effort de... grosse puissance de traction. Et qu'en fait je suis un boulet parce que je viens juste de remplacer le train là. Je suis con. Je suis complètement con. Alors le bois de lucerne, là ça devrait commencer à rentabiliser. Quand même. Ouais, va falloir le temps. Ah, en parlant de véhicules routiers, allons voir un peu par ici. Ça a l'air d'aller. Les lignes, c'est toujours le bois de Lucerne et... Ah, Wiesbaden, c'est pas génial. Lucerne-Fribourg, ça, à la limite, je m'en fous. Je peux comprendre. Le bois de Weidhofen, faudra que j'améliore à un moment donné. Wiesbaden, ah oui, effectivement, j'ai totalement pompé tout ce qu'il pouvait y avoir. Bon, on va voir ça après. Là, la prio. Ça va être de doubler cette merde. Là, c'est 4 millions et des poussières. Donc il me faut une grosse rentrée. Le véhicule, non, un chien, ça se bouscule au portillon. Alors ici, bah, ça va, il y en a beaucoup. Allez, la loco, grouille. Il me faut cette rentrée. Voilà. Alors celui-ci tourne à plein régime. On va améliorer du coup un petit peu. Voilà, 9 fois grand. On agrandit un peu. La production finit quand même par se faire attraper. Donc, je crois que le mieux serait d'augmenter encore le nombre. Ouais, 384, c'est bon, ça va aller tout seul. Va falloir que je fasse des modifs sur les trains en fait. Sous peu. Je propose une petite balade avec la croco. Une fois qu'il sera arrivé, je mettrai en vitesse normale, on fera une petite balade avec, tiens, pour voir ce que... pour voir si c'est classe.
J'ai peut-être fait une erreur, on verra bien. Et comme ça, je vais réfléchir, voyons. Il faudrait que j'améliore les transports de passagers en Suisse et que je commence à faire une jonction avec l'Autriche. Je pense qu'il faudrait aussi que je commence à faire une ligne de transport de passagers à Weidhofen. Parce que Freistadt, ce serait déjà pas mal. Et même carrément jusque Salzbourg. Alors il y a des petits lags, des petits ralentissements. Peut-être que je nettoie un peu le... Ouais, je vérifie la mémoire. Oh. Faudra un parapet. Je vais voir ça dans les décos. Bordel. Ouais, il faut clairement des parapets, des trucs de sécurité. Ah oui. Alors, je vais pas dire que c'est la ligne de Gotthard, hein. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble, honnêtement, mais je crois pas qu'on puisse dire que... Voilà. Je suis bien dans le ton, là. Là, je pense. Mais par contre, le viaduc du bout, là... Je suis pas convaincu. S'il faut un parapluie. Ouais, donc ici c'est le long viaduc. Est-ce qu'il y a des gars qui vont vraiment faire des ponts? Ah, sauvegarde. Est-ce qu'il y a vraiment des gars qui feraient des ponts de cette taille, de cette envergure? J'aurais vraiment dû descendre plus tôt. Si je dois refaire la ligne, je la ferai descendre plus sèchement plus tôt. On va essayer d'être dressé au niveau de la montagne. La route qui s'arrête comme ça, c'est super moche, faudrait que je la bouge aussi. Et alors on a
débloquer la Flying Scotsman et le dernier Mercure, ok. Et donc là il va être en bénéf. Clairement. Ouais. Même si c'est pas un bénéf exceptionnel, ça reste bien. Alors ici, les outils, ça s'accumule, mais c'est au niveau du bois que ça commence à être un peu chaud, je dirais. Pourtant, il y a du stock, hein. Mais la consommation n'est pas suffisante. Bien. On va commencer à rembourser le prêt. On va mettre un accéléré et on va réfléchir. Est-ce que je fais, du coup, une alimentation d'outils en plus à lucerne? Ce qui fait que je vais bouffer beaucoup plus de bois. Et plus de planches. Pouvoir augmenter le taux de production. Où est-ce que je commence déjà les voyageurs Freistadt Weidhofen? Alors Lucerne en plus il me faudra de la brique. La brique elle est à côté. Ça qui est bien. Je vais vraiment essayer quand même d'augmenter Lucerne. Je vais jeter un œil à Zurich vite fait. Zurich s'agrandit, les camions ça tourne. Camion en déficit ou pas? Non, ça va. Bois lucerne 11 minutes, c'est bien comme le bois de Weidhofen. Ah, c'est bien, ça y est, sont en raccord. Jusqu'ici, il faudrait que ça s'améliore encore. Et Vienne-Baden, par contre. Ouais, ça va se faire au fur et à mesure. Bien. Dans ce cas. On va attendre que l'argent arrive. Ou pas. Voilà, hein. Zut à la fin. Et on va... On peut faire un slope. Il faudrait dans le bon sens. Si je fais moins 3... Moins 4. Et je la mets là. Voilà. Donc elle est légèrement en biais. C'est pas très grave. On va mettre les rues. Ah, voilà. On commence à voir les rues comme ça. Ah, parfait. Parfait. Enfin, parfait, mais en fait, qu'est-ce que je m'en fiche? C'est pas sur cette map que je vais utiliser ça. Je dis parfait, alors les voies de bus, par contre, ça peut être intéressant. Alors, on va prendre ça. On met ça comme ça. J'ai besoin d'un truc comme ça. Ça, alors ce sont des outils d'abord, donc on va mettre les outils ici. Hop, hop, on renomme outils lucerne. Voilà, le plus compliqué ça va être en fait d'avoir les finances qui viennent jusque là. Alors, j'ai pas besoin d'un quai de plus, ça qui est bien. Les rails. On va prendre des rails de 140. Et on va regarder le dénivelé cette fois de nouveau. Donc ça doit arriver vers les 150 mètres alors qu'on est à 35. Donc là je crois que le mieux c'est de partir d'en bas. On le fait aller comme ça. Comme ceci, ça fait un pont pas trop dégueulasse. Alors, voyons, si j'allais le faire... Voilà. Si je
vais le faire en automatisé. Bon, c'est pas encore trop moche. Donc à la limite, je peux le laisser comme ça. Donc là, je vais juste attendre que les finances viennent. Il suffit de demander, c'est bien. Ça devrait pas être trop dégueulasse. C'est une ligne droite, c'est tout ce que je veux. Bon, il y a peut-être le pont où c'est un peu chelou. Ah zut, et voilà, on a la première loco rapide. En même temps, pourquoi je suis en train de me stresser pour ça, sérieux? Rix, mon vieux, détends-toi, pète un coup. T'es pas obligé de mettre tous les véhicules, faut pas déconner. Alors, vu que j'aurai besoin d'une deuxième voie, je la colle déjà. J'ai dit je la colle. Avec ces carrés, j'ai toujours du mal. Voilà, je mets ça. J'ai 6 millions, c'est le prix de la loco, donc c'est pas génial. On fera comme on peut. Et en fait, le truc est trop bas. Oh, j'en ai marre. Dans ces cas-là, le meilleur moyen, ça reste ceci, c'est-à-dire faire à l'envers. Voilà, c'est dégueulasse à la sortie, mais je m'en fiche. C'est pas le but d'être propre. Donc il me faut cette ligne-ci. Outil Lucerne. Comme ça, Lucerne sera quand même assez bien desservie. On va mettre un camion. Et là, on va préparer. On va changer la couleur. On va la mettre en quoi? En brun, tiens. Et ce sont des outils. Ah, il y a un souci d'affichage. Les outils, on va donc prendre ça. On va laisser en couleur standard. On va mettre capacité de 40. On va attendre. Et 7 874 000, ça va aller assez vite. Allez, je sais que tu peux le faire, mon coco. Vends-moi du rêve. Quoique, je vais peut-être limiter à 32. Pour commencer. Sinon c'est 24. Non, 32 c'est très bien. Oh bon sang, ça y est. Ça y est, ça y est. Attention, ça va être la déferlante. Ça va être la déferlante de nouveaux véhicules. Voilà, ça commence. Bon alors, tu les gagnes ces 7 500 000 STP. Financièrement, j'ai pris des risques, hein. Je sais pas si ça va tenir. Je pense que oui. Mais il va falloir que, maintenant que j'ai des lignes en fait, d'approvisionnement de matériaux, il va falloir que je dope mes lignes de passagers. C'est ça qui va me rapporter le plus de toute façon. Du moins sur la durée. Allez. Joli. Mais
Alors, outil, lucerne. Voilà. Voilà, comme ça je peux rembourser ça. Ça devrait... J'espère que je fais pas de conneries. De la production et compagnie, je peux en mettre beaucoup plus. Alors ça c'est une route qui sert à rien, donc on la retirer. Hein. Voilà. Ça va repartir vide. On a Wade of Fun, Lucerne, Eden Four. J'aimerais bien qu'il commence à en donner en fait pour Lucerne quand même. Tout doucement. Le problème c'est que j'arrive pas à alimenter suffisamment par rapport au temps. Faut vraiment que j'améliore les lignes. Ces deux-là, on va augmenter. Voilà, ça c'est bon. Et ça commence à se mettre, voilà, c'est bon, ça devrait aller. Alors, on va faire un petit... On va tout doucement finir. On va faire un petit tour juste du coup des... du côté des... On ira faire un petit tour du côté des nouveaux véhicules pour voir ce qu'il y a de débloqué. Mais pour la fois prochaine, ce sera le commencement des lignes de passagers rapides par ici, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai? Donc Wiesbaden, c'est pas rentable. Faut que je trouve un moyen d'améliorer ça. Lucerne-Fribourg, ça reste très... ça reste chaud. Ils sont clairement le... Pff, le bois Weidhofen, lui, c'est... Ça va. Les outils Lucerne, c'est pas génial. Combien de temps il met? Alors 6 minutes. Alors là, en fait... je vais changer le nom de la ligne. Voilà. Donc ils mettent 12 minutes. 12 minutes, c'est normal. Mais 6 minutes. Voilà, les planches, 8 minutes. Ça devrait aller. Bien. Alors, on va vite jeter un coup d'œil ici. Wiesbaden, Wiesbaden. En fait, Wiesbaden, c'est... La rentabilité, c'est barré. Par contre, du côté de Stokro, il y a moyen de faire quelque chose. Ok. Regardez ce qu'on a et on va peut-être faire une modif sur Wiesbaden. Alors j'ai toujours pas de DSG électrique donc j'ai la E47. Voilà, unité multiple. Alors la BBO ET10. Je parle pas l'allemand donc. Voilà, alors ça prend 16 passagers. 80 km/h. Électrique. Ça pourrait être sympa en fait. Parce que c'est la même vitesse. Alors il me faut l'argent. Je vais électrifier. Je vais faire la modif maintenant.
faut juste que les sous rentrent. L'épisode peut être un peu long, mais pour une fois, c'est pas trop grave. Ah, c'est vrai que je pourrais emprunter. Voilà, j'emprunte, zut. J'ai pas fait gaffe qu'elle sifflait en repartant celle-là. J'ai 6 millions et des poussières, donc vienne Baden, on va le modifier et on va faire un petit tour du coup avec ce véhicule, vite fait comme ça pour changer. Alors, je prends que 16 personnes à la fois, mais c'est pas grave. Ah, attendez, c'est vrai. On avait quoi en wagon de passagers qui venait d'arriver? Ah, les Schnellzugwagen. Les wagons qui font du 120. Ah, parfait. En vapeur, on avait rien de neuf? Non. Elle coûte si peu en fait ces trucs. Oh, elle coûte pas cher. Voilà. Donc, du coup, ça devrait quand même. C'est normalement le temps. 4 minutes, 3 minutes, kiff kiff. Voilà. Ah, bruyant, hein. C'est un 6 essieux ? Ah ouais. Allez mon gars, on est reparti. Quand tu veux. Cabine, c'est pas ça. Bon, en revanche, accélération comme tous les véhicules électriques, ça y va. Sauvegarde auto encore, je crois que c'est la cinquième, donc oui, il est temps de s'arrêter. Mais donc, objectif suivant, ça va être les passagers. Alors si, les briques de Lucerne, ça c'est pas encore trop difficile, mais améliorer les passagers. Et mettre à jour certains véhicules de transport, notamment les camions, parce que effectivement, c'est un peu light. On va le mettre en accéléré, hein. Hop. Bien. On rembourse au max. Bah, on rembourse bien, voilà. Et du coup, ben. Bon, ça va, 3 minutes, 32 passagers, moi c'est bon. C'est bon.
Ah, les deux ont un taux similaire en plus. Donc ici, tout ce qui me fait peur, c'est les outils de Lucerne. Je vais juste jeter un œil, vite fait. Et on va se quitter là-dessus. Donc prochain épisode, à mon avis, je vais commencer le Wild of Fun Freistadt. Je ferai une ligne double, je commencerai la ligne express. Lucerne a un apport en outils. Ce que je vais voir, c'est consommateur. Ok. Et ici, il va falloir que j'améliore le rendement aussi par rapport aux planches en bois. Enfin, aux troncs. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, sur ce, on va se quitter. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !